Salut tout le monde, ici Asdepic, on se retrouve pour le 10e épisode, déjà 10 épisodes, donc 10e épisode de La vie après la mort, une aventure suivie dans Minecraft, qui se déroule dans les heures. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je me suis construit une petite maison, donc ça casse pas de mine, oups là, vous voyez plus, ça ne casse pas de mine, mais ça a le mérite d'être un peu plus cosy qu'avant. Ensuite, ici j'ai fait un pont un peu mieux que... avant pour atteindre le donjon, pour pouvoir aller récolter un peu des ressources dans justement dans ce donjon. Et hop là, ouh, voilà. Et toi, mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Ça commence bien. Allez, oh. C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. Ce serait peut-être bien de mettre une fenêtre. J'avais pas envie de le faire, mais bon. Je le ferai peut-être finalement quand même. Ce n'est pas grave. Donc vous voyez, j'ai fait un petit étage inférieur pour mettre des coffres dans lesquels ici j'ai mis tous les loots rares de des donjons, et ici j'ai mis toutes les ressources qui ne sont pas utilisées dans l'immédiat. J'ai coupé un peu de bois, vous voyez ici, et ensuite j'ai récupéré la laine du donjon d'avant, donc c'est ce qu'il y a sur le trône, 4 laines, et voilà. Dans cet épisode, je pensais essayer d'atteindre... Ah, t'es de retour toi, espèce de... Il monstre du cul. Il va me buter en plus. Il va me buter. Bon, bah écoutez, je mettrai les portes. Hein, parce que là, c'est pas possible. Ok, il est mort. Moi, même moi aussi. Super épisode, magnifique. Alors, vous voyez, j'ai un petit souci. Je ne comprends pas pourquoi. Un petit souci, je réapparais dans le Nether. Donc, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc je suis de retour. Petite excuse. C'est un bug que j'ai découvert juste avant. Dorénavant, quand je meurs, je réapparais dans le Nether. J'ai essayé de repositionner mon spawn, ça ne fonctionne pas, mais bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc, un petit saut. Ouh. Voilà, toi, attends, il s'en va. Parfait. Je récupère les plumes, j'en aurai pas vraiment besoin. Dans cet épisode, je disais, je vais essayer d'aller me faire un deuxième donjon. Donc, je vais prendre ma pioche en gravitite. Il me faut de la bouffe. Je vais prendre également... ici, me faire une nouvelle armure complète. Donc, casque, gants, les bottes, le pantalon et le plastron. Oups. Je repose ma gravitite. Non, pardon, ma zanite. Je m'équipe. Voilà, le collier il est là. Alors ça, ça me procure un petit peu d'armure. J'ai également un anneau, ça je sais pas à quoi il sert, mais je vais quand même le porter. Voilà. Et je crois qu'il me faut encore un peu de dirt. Ouais, je vais prendre de la stone, j'en ai en suffisance. Et des torches, les torches sont pas censées être là, elles sont là. Voilà, 26 torches. Bon, encore un petit peu. Hein. Là. Ah yeah. J'ai tout ce qu'il faut. Donc je vais essayer d'attaquer le donjon qui est un peu plus là-bas. Voilà, le donjon qu'on voit au loin qui est en train de se charger. Alors, comment est-ce que je fais pour m'y rendre? Première chose. Il me faudrait, je pense, des parachutes. Tiens, un slim jaune. Vous voyez comme il s'envole? C'est sympa. Ouais, bah il est mort. C'est parfait. Alors, comment je fais pour aller là-bas? Ça va être chaud à faire avec de la stone. Parce que ça fait vraiment un bout avec ces machins en plus qui vont me cracher dessus. Voilà, ils m'attaquent directement. Je vais essayer de passer par là-bas. J'en profite, je profite du petit blanc là pendant que je me balade pour remercier grandement Maxime qui me permet de filmer sans lag aucun. Donc pour la petite histoire, il y a quelques temps j'avais utilisé Fraps déjà, bah, ça fait longtemps que j'utilise Fraps, et depuis quelques temps il laguait proprement, c'était injouable avec, donc j'ai laissé de côté, j'avais essayé justement des tas d'autres logiciels, et finalement, bah, allez, pousse-toi. Bah, finalement j'ai réessayé avec Fraps, et là ça fonctionne du feu de Dieu, donc c'est magnifique, merci beaucoup Maxime. Qui m'a également beaucoup aidé pour des tas d'autres trucs.
Donc, un grand merci à toi. Là, j'ai du lambosium, j'en ai pas besoin. Allez, on va essayer à la one again. Au pire, attendez, je vais quand même juste enlever mon armure pour le moment parce que ce serait con de l'utiliser pour des conneries. Voilà. Allez, bon, on essaye, hein. Je garantis pas de survivre. Il y a des trucs qui me cachent dessus, j'aime pas ça. Vous entendez derrière. Ah, quelques petits lags quand même, mais bon, ce n'est rien. Mais vraiment rien par rapport à avant. Là, je trouve que c'est super jouable. C'est vraiment super. J'espère que ça vous plaît également. Ensuite, vous l'avez peut-être vu, nouveau générique. Je me suis un peu mis à. Oh, ah J'ai un peu remis des images un peu plus actuelles. Avec les boss et tout. Voilà, je vais certainement accélérer un petit peu la construction. Allez, je continue, je vais pas regarder où je vais. Hop, j'y suis presque, j'y suis presque, j'y suis presque. Ça m'ouvrira deux portes, c'est une ville. Voilà. J'y arrive enfin. C'est parfait. Alors, comme ça. Alors oui, vous voyez en haut à gauche, je suis pas logué, c'est parce que j'ai quelques petits problèmes de connexion, mais uniquement avec Minecraft, c'est étrange. Donc voilà, je sais pas si c'est le Minecraft.net qui est mort ou si c'est juste chez moi. Quoi qu'il en soit, je ne suis pas connecté, mais j'ai quand même acheté le jeu parce que ça fait bientôt une année que j'ai acheté le jeu, et vu le nombre d'heures que j'y ai passé, moi je l'avais acheté encore à l'époque à 10 € pour l'alpha, c'est déjà remboursé depuis bien longtemps. Et un jeu aussi bon, il mérite d'être acheté. Voilà, alors je vais escalader ceci. Bah j'ai un peu de. Mais j'ai même pas pris une pioche, mais je suis bon moi. Je suis bon, j'ai pas de bois, bon bah tant pis alors. Je vais monter ici. Ça, c'est quelque chose qui est très agréable dans ce monde, c'est que la pierre n'est même pas très longue à casser avec les mains. Donc même si on n'a pas de pioche, on perd pas trop de temps. Bon, écoutez, je vais essayer d'aller par là. Apparemment, il est assez accessible. Oh, quelques petits ralentissements, je pense que c'est parce que le monde est en train de charger. Allez, calme-toi. Calme-toi, voilà. C'est parfait. Et puis ben on va attaquer ce nouveau donjon. Je verrai si l'épisode fait de nouveau 30 minutes. Moi ça me pose aucun problème. Ça met juste un peu plus de temps à uploader. Mais vous en avez pour votre argent. Même si vous payez pas grand-chose. Alors. Ici. Oh merde. Ah, me dites pas que j'aurais juste pas assez de. Non, ça va juste aller. À 3 blocs de pierre, de terre près. Wow, parce que sa gueule, il y a des trous ici, faire attention. Hop. Hop. Voilà, j'y arrive, évidemment. Ah non, l'entrée juste là en plus, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. J'y suis. Alors, nous disons un peu de torche. Voilà, je vais prendre mon épée ici, ma bouffe. Oh, attendez, je vais la mettre plutôt ici parce que j'ai eu quelques soucis avant. Je vais me rééquiper. Hop, le collier, l'anneau, et ça pue déjà le faux coffre. Donc, hop, voilà. Allez, je réveille l'autre, comme ça il s'entretue. Non, même pas. Voilà. Bon, bah déjà des coffres. Ici, encore une fois. Allez, bouffez-vous. C'est rigolo, ça. C'est sympa. Ah! Tu m'as fait peur, toi. Ok, ici. Alors, rien de très
trois bancs, un peu, ouais, juste une sarbacane. Ensuite, les tac, 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 les Valkyries apparaissent sur des demi-dalles, enfin sur des dalles qui sont un peu éclairées différemment. Là, il n'y en a pas. Est-ce que ici, on va les voir? Non, je la vois pas. C'est pas grave. On continue, on continue, on continue. Alors, ici, c'est fait. Ici, on a l'escalier. Pourquoi ça s'allume pas? Bizarre. Ouais, c'est un lag. Ensuite, fléchette empoisonnée, des torches encore. Je sais pas ce qu'il y a à trouver tout le temps des seaux. Il y a plein de seaux dans les. Allez, plein de seaux dans ces donjons. J'ai un stock de seaux chez moi, vous l'avez vu. Assez imposant. Alors, encore des faux coffres, hein. On commence à avoir l'habitude. Voilà. Hop là. J'aime bien l'image là, c'est sympa. Ok. C'est déjà fini pour cet étage-là. Ça a l'air. Ouais, bon, bah écoutez, on va monter alors. Pas grand-chose ici. Et toujours pas vu de Valkyrie, hein. Oh, mais c'est pas vrai, c'est ce faux coffre, il y en a marre. Ah! Merde! Il m'a fait peur, lui. Voilà. Oh! Alors, je vais manger. Voilà, et puis on va directement se faire celui-ci. Alors, je vais être attaqué depuis un peu plus loin. Voilà, pour pas qu'il me touche. Dès le début. Voilà, parfait. Et 2-1. Wow, deux d'un coup, ça fait un peu plus peur. 3 et 4. Wow. Alors, une après l'autre. Vous allez tous y passer, mesdames. Tout y passer. Ne vous en faites pas. Chacun votre tour. Toi ensuite. Wow. Merde. Oh, fais chier, fais chier, fais chier. Bon, petite ellipse. Je vous reprends quand je suis de nouveau à l'intérieur du donjon. Ok, donc on se retrouve. Je suis de retour dans le donjon. Avec strictement aucun stuff. Hop, 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 hop. Vous, je ne m'approche pas. Je vais d'abord récupérer tout ceci, tout ceci, tout ceci. Voilà. Alors. Armure, armure, armure. Armure. Là, mes torches. Et ma bouffe. Ma bouffe. Ah, elle est là, j'ai eu peur. Ok, ok. Alors, ici il y en avait, je crois. Quelque part par ici, non? Tant pis, alors toi. Tu vas y passer. Voilà, 3. 3, ah oui, 3, c'est juste. Déjà 3, bah c'est parfait. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ok, 4. Encore? Mais vous kiffez, hein? Prenez les coups. Et le 5. Ça va un peu plus vite que dans le premier, hein? Voilà, bouffez-vous la gueule. Alors c'est toi normalement qui va survivre. Voilà. Voilà. Ah bah, une pioche, c'est parfait. Voilà. Pas grand-chose dans ce donjon, hein? Pas d'œuf de mort, rien du tout. Alors ici, cet étage, je crois qu'il est nettoyé. Alors on monte. Alors, faux coffre. Voilà. Une petite danse et c'est fait. Alors, d'abord examiner le coffre. Ah bah voilà. Ouh, un ring de Zanit, c'est beau ça. Un œuf de Moa, un peu de bouffe. Bah, je vais directement m'équiper de l'anneau de Zanit. Comme ça, et puis j'avais oublié de remettre le pendentif aussi. Voilà. Et où es-tu toi? T'es parti? Tu t'en es allé. C'est pas grave, une torche. Meurs, meurs.
Hop là. Voilà, ça en fait 6. Encore des torches. Ça, c'est pas souvent qu'on ressort avec plus de torches que ce qu'on en est rentré. Ici. Des bottes. Encore un seau. Des bottes, j'en ai, donc c'est tout bon. Ici, des faux coffres. Petit bisou, hop là. Et mange. Voilà qui est fait. Et je crois que cet étage, du coup, il est bon. Ça, c'est des faux coffres, de toute façon. Ok, cet étage est fait. Donc, encore 4. T'es où? Oula. Plus que 3. Allez. Donc ça c'est l'escalier pour aller au boss. Voilà. Hop là, encore 2. Donc justement, les Valkyries, je sais plus si je vous l'ai déjà dit, elles apparaissent quand on marche sur une plaque précise. Alors des fois on les voit, pas tout le temps. Là on voit rien de spécial. Hop, ici. Allez, et encore une dernière, et après on est bon pour le boss directement. Tac, ici, il n'y a rien. Bon, bah écoutez, je crois que je vais redescendre d'un étage. Allez, une petite dernière. Ça avait pas envie, hein. Vous avez vu comme je maîtrise. Ici, y a rien. Alors, ce bruit-là, je pense que ça vient du fait qu'il y a un boss. Ah, voilà. Qu'il y a un boss de donjon pas loin. Hop là, allez. T'es la dernière. C'est un honneur. Et voilà, ça c'est fait. Je me suis même pas fait toucher. Magnifique. Donc, 10. C'est parfait, on va directement aller voir le boss. Pas de sauvegarde, pas de bouffe, pas de déposer le stuff, rien du tout. On y va à l'arrache, toi c'est bon, j'ai pas besoin. Ah, merde. Petite erreur. Oh bah il est tombé. Voilà, ici on éclaire un peu. Je vais manger un coup. Alors, est-ce qu'il y a... Il y a déjà pas de machin qui vole, ça c'est déjà un bon truc. Un bon point. Je vais éclairer tout ça. Ici, il n'y a qu'un boss apparemment. Donc dans l'autre, il y a toujours un deuxième qui se balade. Dans son palais à moitié détruit, je vous montrerai peut-être à l'occasion. L'état du palais. Voilà, donc c'est suffisamment éclairé, j'espère. Hop. Et hop. Et là, ça semble pas mal. Donc je vais juste prendre la bouffe à côté de moi. Voilà, l'équipement c'est tout bon. Donc on est parti. Alors, il y a ici. Bonjour belle demoiselle. Hop. Je te tape quand je veux commencer. Et donc on est parti. Ouf, ça commence bien, elle me met déjà un coup. Où es-tu? Ah, chiarde. Il y a ici. Te téléporte pas. Ouais mais ça va tout seul. Oups là, moi j'ai rien dit. Non mais ça va vraiment tout seul. En plus elle a pas l'air trop elle a pas l'air d'avoir trop envie de me balancer des éclairs dans la gueule. Donc c'est très bien. Merde. Ouf, je me suis un peu emmêlé les pinceaux. Allez, descends là. T'es où? Voilà, viens ici. Viens faire un bisou à As de Pique. Ha 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 ha! Ha 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 ha!
Hey! C'est un peu malhonnête de ta part, hein? Voilà. Maintenant, tu arrêtes ta TP. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? J'aime pas ça, j'aime pas ça, t'es où? Eh oh, allô? T'as disparu? Ah! T'es là. Je sais pas où est ce TP pour l'instant. Ah bah voilà, il commence à me balancer des trucs dans la gueule. C'est qu'elle est en train de faiblir, ou pas du tout, mais c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, elle va crever. Elle va crever. Yaha! Où es-tu? Chiarde! T'es là. Voilà, on arrive au bout. On y est presque, allez. Et voilà! Et wouhou! Et ça fait deux Valkyries. Deux boss Valkyries, deux poutrées. Donc c'est du très beau travail, je trouve. On va directement ramasser ceci. La clé, elle est là. Et nous avons. Wow, des gants de Neptune. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est. Ici on a une pierre de régénération, une cape d'invisibilité et une plume d'or. Mais alors là, là il y a du beau loot. Il y a du beau loot. Donc je vous propose, je vais sortir d'ici, je vais retourner à ma maison, regarder tout ceci à quoi ça sert, et je crois que nous serons bons pour le 10e épisode. Beaucoup d'action, beaucoup de loot. J'espère que ça vous plaît toujours. Moi, j'adore ça et je suis pas prêt de m'arrêter. Hop là. On rentre à la maison. Ça s'est un peu assombri, il doit pleuvoir en bas. Alors, on se prend deux parachutes. Bon, un pas, non. Quand même en faire un deuxième, on sait jamais. Oula, je prends des risques. Alors, je sais très bien que je pourrais sauter dans le vide et me retrouver près du portail, mais je vais essayer de le faire sans. Hop. Alors, est-ce que j'arrive? Non, ça c'est beaucoup, beaucoup trop loin. Non, bah écoutez, je vais quand même sauter dans le vide, hein. J'ai des parachutes. Comme ça, on est plus vite à la maison. Ah non, mais merde, ça bug normalement. Ah non, bah c'est tout bon, je suis de retour chez moi. Je ne me téléporte pas dans le Nether. Je sais pas ce que c'est, je vais aller voir sur le forum quelle peut en être la cause. Voilà. Je sais pas si c'est le bon. Il me semble pas qu'il était dans la terre, mon portail. Enfin, enterré dans le sable. Ah ouais, c'est ce que je me disais. Je sais pas du tout où je suis. Je ne sais pas où je suis. Qu'est-ce que... C'est un bug, ça. Vous voyez? Je suis vers le portail. Enfin, vers le donjon que je viens de faire. Il y a un nouveau portail qui s'est formé. Bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Hop. On va essayer d'y retourner à pince sans mourir. Parce que là, il y a plein de Moa. Petit Velociraptor. Hop, 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 me tirez pas dessus. Je ne vous veux aucun mal, aucun mal. Enfin, c'est pas vraiment vrai, mais c'est pas grave. Merde. Non, mais je suis quand même pas crevé ici. Après m'être fait 5 Valkyrie. Putain, putain. Allez, bon, j'essaie de me casser. Je bouffe un pour l'instant. Allez, allez, allez. Je veux pas mourir. Je veux pas crever. Bande de saloperies. De moi de merde. Putain, mais il y en a partout. Ah, puis je suis en train de péter mon armure avec ça. Allez, je vais m'enterrer. Voilà, je sais pas. Oui, j'ai des blocs à porter. Voilà. Alors, voilà, toute mon armure a pété. L'anneau, il est presque mort. Ah, où t'es? Ah, t'es juste là. D'accord. Putain! Bon, écoutez, je comprends pas ce bug du portail là, c'est très étrange. Allez, j'ai compris, je suis empoisonné, je sais! Là.
gars. Ils ont disparu ou ils se sont barrés. Ils se sont cassés la gueule. Moi, tout ça, toutes ces réponses me conviennent. Là, il y a un truc dans l'eau. Ah non, c'est... Merde. Putain, ils sont là. Putain. Allez, je monte l'air. Pas me casser les couilles, hein. Voilà, et puis je vais monter depuis là parce que sinon on n'est pas rendu. Alors il fait peut-être un peu nuit, on s'en fout. Ne vous en faites pas, je ne vois pas beaucoup plus que vous. Tout ce que je sais, c'est que je suis en train de monter. Voilà, un peu de jour. Demande, c'est de rentrer chez moi. Il est où mon pont? Il est plus haut. Merde! Merde! Putain! On commence vraiment à me gonfler là. Bordel. Ah! Ça saoule! Ah, je m'excuse, hein, je m'excuse. Ce sont vraiment des saloperies, autant les moi que ces machins qui me crachent dessus. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, je peux les manger. Voilà, donc je recommence, j'escalade. Cette fois, je ne me fasse pas mollarder à la gueule. Là, je suis bien. Je continue de monter. J'ai plus rien. Ah, putain. Ici, non. Oui, l'alert. C'est bien ça. Voilà. Où est-ce que j'avais fait mon pont? Là. Oh, c'était tout là-bas. J'avais même pas eu besoin de monter. Ouais, je suis bien trop maintenant. Oh putain, putain, putain. Puis là-bas, il y a plein de slim bleu. Ça, c'est beaucoup trop loin. Bon, je tourne en rond. Je vais certainement accélérer un peu tout ça. Hein. Bon, ben, non, je peux rien faire. Je peux rien faire. Est-ce que j'arrive à atteindre un nuage? Au moins ça. Alors, je vais pas faire la même erreur qu'a fait... dans ses vidéos, il est mort sur un nuage, il a perdu tout son stuff. Et ben voilà, ben moi c'est pas sur un nuage que je meurs, c'est ailleurs, bordel. Très intelligent de creuser sous ses pieds. Et puis je vais réapparaître dans le Nether, certainement. Et ouais. Pourquoi je suis dans le Nether, bordel? Oh putain, bon je vous reprends, écoutez, je vous reprends dans un instant. Régler tout ça. Ok, allez. Rapidos. Me prend un peu de dirt encore. La stone, voilà. Allez vite, récupérer mon stuff. Alors là, j'en aurais vraiment gros si je devais tout perdre. Ça me casserait fortement les couilles. Hein. Quand je disais, pour faire la même erreur que toi, bah j'ai pas fait la même. J'ai fait encore plus con. Bravo. Alors, prise de risque. Hop là, toi tu me loupes. Toi tu me loupes encore. Allez, ils sont partout, bordel. Allez. Oula, ça passe pas loin, ça passe pas loin. Hop, ok, je suis sur la bonne île. C'était juste la bande, ce qu'on fait. Donc, allez, par où? Par là-bas. Ah, puis j'ai plus de boue sur moi, mais quel con, je vous jure. Prise de risque inconsidérée. Allez, foutez-moi la paix. Pas de moi, c'est une bonne chose, je déteste ces saloperies de bestioles. Est-ce que je peux atteindre un nuage? Allez, juste ce nuage là, non pas un autre, non plus. Bon, là il y a trop que c'est slim, ça je pense un truc. Ouais, je suis bien normal. Foutez-moi la paix, je peux pas vous voir, vous parler, vous entendre. Alors c'est par ici, ça je m'en souviens. Et on est là, voilà, merde. Les slims ont abandonné, c'est déjà une bonne chose. Allez, je veux récupérer ce stuff. J'espère que le fait que j'ai déco, que j'ai dû faire un peu de MC Edit pour me retrouver, pour mettre mon spawn à la bonne place, ça n'a pas fait disparaître tout mon stuff. Allez, j'y suis. Oulala,
C'était où? C'était où? C'était en dessous. Merde, mais je me suis paumé maintenant. Bordel, c'est pas vrai. Ah, c'est là en dessous, hein. Une cave, quelque chose. Ah, mais non, mais pas, c'était sur cette île là. Oh putain, où ils sont? Allez, pièce-moi, je crache dessus. Voilà. Allez, j'ai pas de nuage à côté. C'est pas long pourtant, hein, c'est pas long, mais c'est quand même dangereux. Un petit mur, voilà. T'es où? Faut taper 3 secondes, s'il vous plaît. Ah, j'y suis, ok. Alors, y'a pas de moi là. Y'a pas de moi là. Ah yes, y'a tout qui est là. Ouh. J'espère que rien n'a giclé. Au moins, j'ai récupéré mon épée et ça, je pense que c'était un des trucs les plus importants. Comme ça, voilà, l'œuf. Encore un anneau ici. J'ai des torches normalement. Ouais. Est-ce qu'il y a encore quelque chose? Oh, ouh, ça volait jusqu'ici. Hein. Ok, ok. Encore. Une sarbacane. Et là, je crois qu'on est bon, j'ai tout récupéré. Ça, c'est fait. Là-bas, c'est trop dangereux. J'ai pas de quoi me faire. Oui, là, il y a un nuage. Je vais essayer quand même de l'atteindre. Oh, faut que je mange un peu. Non, il est trop loin. Beaucoup trop loin. Allez, le but, c'est quand même de pas se suicider, pas devoir se suicider. Moi, j'ai plus de parachute non plus. Tac. Alors, si je fais un chemin par ici, essayer de pas mourir, hein, encore. C'est pas gagné. Allez, plus vite, plus vite, plus vite. Les trucs me foutent la paix pour le moment. Merde, celui-là il monte. Il monte, j'aime pas ça du tout. Et j'ai plus. Bordel! Ok, je suis à l'abri. Limite. J'ai eu peur. Voilà. Ma pioche. Il y a des slims quelque part. Où êtes-vous? Allez, je vais me faire un ascenseur ici. Il fait un petit peu noir. 3 secondes. Voilà qui est fait. Ensuite, ces slims, ils sont où? Ah, c'est vrai, vous êtes là. Salut, 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 salut. Ils tournent en rond, ils m'ont pas vu. Wouhou! Je vais récupérer ça. C'est du gel, gravity gel, je crois. Hop, 1 et 2. Et 2. J'aime beaucoup cette épée. Hein. Blue Air Cloud. Je crois que ça me fait sauter quand je le pose. On ira vérifier ça, un de ces 4. Pour le moment, le plus important, c'est mettre tout ce stuff à l'abri. Encore un, hop. Ah, t'es pas mort d'un coup, t'as. Faudrait que je pense à réparer mon épée, parce que j'aimerais vraiment pas la péter après toutes ces heures de recherche. Alors, par ici. Bon, je pense que vous allez de nouveau avoir droit à un super épisode de 30 minutes minimum. Pas regarder à quelle heure j'ai commencé de filmer, mais ça doit faire un bon moment. Hop, 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 hop. Oh, oh là, merde. Encore ces saloperies de bestioles qui me crachent dessus. Putain, alors là, ça a l'air bon, hein. Voilà. Alors, là, il y a de la zanite, pas besoin pour le moment. J'en ai suffisance. Et ça, on sait jamais si j'ai besoin d'un portail, un de ces 4. Voilà. Ah, puis il fait presque noir. J'espère que normalement vous devez voir quelque chose, mais je suis pas persuadé. Alors, ici c'est un peu casse-gueule. Heureusement, il y a toujours le sneak pour pas se tomber. Et puis voilà, allez, on rush. On rush. Il fait ça. Aïe, j'ai... Yes, j'y suis. Hop là, gentil. Alors là, j'avais tout pété pour récupérer la... cette truc qui accélère, dont je ne me souviens jamais du nom.
Mais je suis chez moi, je suis chez moi. Bon, ces piliers ne servent à rien, hein. C'était vraiment pour le... pour dire j'ai fait des piliers. Alors, j'ai pas de trucs chez moi. Je vais chercher le bouquin. Regardez à quoi sert tout ce que j'ai looté. Le livre, il est là. Voilà. Donc, on commence par des fléchettes. Bon, ça, c'est les fléchettes standard. Hein. Pierre de régénération. Utilisée dans votre slot d'accessoires. Régénère la vie en permanence. Dans le temps. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Œuf de moi, je sais, Iron Ring. Est-ce que ça me protège un peu? Il veut pas me dire. Alors, cloque d'invisibilité. Cap d'invisibilité utilisé dans votre slot de cap vous rend invisible. C'est cool ça, c'est cool. Encore la plume ici. Trouvez dans les donjons. Pendant que vous la tenez, vous allez gentiment flotter. Ah, on prend pas de dommages de chute quand on la tient dans la main. Alors ça, c'est aussi vachement utile. Et ces gants bleus là. Trouvez dans les donjons. Super protection portée sur vos mains. D'accord. Donc ce sont des gants, je sais pas, de Neptune, ce que c'est. En tout cas, du très beau stuff. Je crois que si j'ai tout vu, hein. Ouais. Ouais, on saute super haut quand on saute dessus. Donc voilà, donc c'était le 10e épisode. Nouveau générique, nouveau logiciel de capture, plus de lag, plus rien. C'était As de Pique pour le 10e épisode donc de La vie après la mort dans Minecraft. J'espère que ça continue de vous plaire. N'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Voilà, à plus. On se retrouve bientôt pour le 11e.